Inspire, pour respirer. Allez, comme ça. Bien. Oui. Voilà. Bien. Oui. Ça va mieux, alhamdoulilah. J'ai commencé les entraînements individuels. Maintenant, ça va mieux, je sens plus trop de douleur. Et j'espère revenir vite, Inch'Allah. Franchement, c'est difficile parce que je suis compétiteur. J'aimerais jouer tous les matchs possibles. Tous les matchs possibles de la saison, mais après faut l'accepter, c'est rien, c'est qu'une épreuve. J'espère revenir vite pour pouvoir aider l'équipe, Inch'Allah. Amadou, on essaie de changer le jeu vers Abdoulaye Anba qui va laisser Jean-Louis Boukandé. Abdoulaye Anba, qu'est-ce qu'il va faire? Abdoulaye Anba pour l'ouverture du score. Non, c'est pas fini. Et voilà, l'ouverture du score. Quel but, vous foutez, quel but, quel but merveilleusement joué. Franchement, on fait un début de saison assez bien quand même, avec une victoire, deux matchs nuls et une défaite contre les gros. Franchement, c'est un assez bon début de saison. J'espère qu'on va continuer à augmenter, à monter en puissance pour essayer de gagner. J'ai choisi de quitter la France parce que au Sénégal, le championnat il est assez regardé, surtout si tu es à Génération Foot. Génération Foot, c'est un grand club, c'est un bon club de l'Afrique de l'Ouest. Si ce n'est l'un ou le meilleur club de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et voilà, je pense que c'est un bon challenge. Bah, franchement, c'est de bonnes installations. Bah, comme on peut voir ici, il y a la cryo. La cryothérapie, c'est le bain froid. C'est pour la récupération. Franchement, il n'y a pas de différence avec l'Europe. Tu es dans de bonnes conditions pour essayer de toucher le haut niveau. Non, franchement, j'étais pas dépaysé. C'est juste un autre football. Franchement, c'est un autre football, mais non, j'étais pas dépaysé. Après, ça reste du football, faut s'adapter, et voilà, faut s'adapter, trouver tes marques, malgré que ça soit difficile parce que je suis loin de ma famille, parce que je vis en France, mais sinon, non, je suis pas dépaysé. Bah,
Bah, en fait, c'est mon père qui connaît Madi Touré, qui ont parlé ensemble et il m'a proposé de venir faire un test ici à Génération Foot. Et j'ai fait un test et ils m'ont pris et voilà, j'ai intégré Génération Foot. Bah, Madi Touré, c'est comme un père ici, c'est comme mon père, franchement. Ouais, il me donne beaucoup de conseils, il m'aide beaucoup. Franchement, c'est mon père, mais c'est comme un coach. C'est comme un coach, il m'aide beaucoup. Et grâce à lui, j'espère toucher le haut niveau, franchement. Et mon père, il me donne beaucoup de conseils. Bah, pour moi, c'est mon père, mais aussi, il se comporte comme un coach avec moi. Il me donne beaucoup de conseils. Quand je suis pas bon, il me dit, t'es pas bon. Quand je suis bon, il me dit, je suis bon. Mais même quand je suis bon, il me sort toujours les choses à régler. Genre, ce qui a pas été bon dans le match, parce que on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, donc ça veut dire, j'essaie de bonifier. Quand je suis à Jeff, il me donne toujours des conseils. Il me dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, car il a été footballeur avant moi. Il sait ce que c'est d'être footballeur professionnel, donc ça veut dire tous les conseils sont bons à prendre. Ça veut dire j'écoute tout ce qu'il me dit, et voilà. Bah, franchement, avec Génération Foot, collectivement, c'est de prendre un trophée, soit prendre le championnat ou la Coupe du Sénégal. Parce qu'on a l'équipe pour, franchement, on a l'équipe pour. Et individuellement, c'est de pouvoir participer à le CHAN. Le CHAN, en équipe avec l'équipe nationale locale. Allez GF et allez les Grenats.